demoiselles, des femmes, vous tous. Je le vois. Il me voit. Il me guette, m'emprisonne, me tient en bras de gaillard. Pas moyen de m'échapper, pas moyen, me tient d'un bras robuste, pas moyen. Ce cadavre dans l'œil, le cadavre dans mon œil, père, mon père, son image sur ce pont, et le corps, son corps, mon père, sans vie, qui balançait au gré du vent. Cette année, nous avons 6 textes de dramaturge qui sont originaires donc du continent africain et d'Asie, puisque certains originaires du Togo, d'autres de Guinée, d'autres de Tunisie, du Liban. Et tous les jours, au Jardin de Mons, qui est un merveilleux lieu pour faire ces lectures, nous convions le public à l'écoute de ces textes étrangers en langue française. Tu veux en savoir plus sur moi? Avance ta main! Qu'est-ce qu'elle te dit, ta main? Ah, qu'est-ce qui c'est? Ma truffe! Mais c'est humide! Et là, qu'est-ce qui c'est? Aïe! Mon œil! Oh, pardon, je vous ai fait mal? Oui! Et si un jour j'apprends que tu as fait exprès? Vous me mangerez. Tiens, quelle idée! Te manger! Je sais maintenant qui vous êtes. Le loup. Ce sont des textes donc de jeunes et moins jeunes dramaturges, mais qui sont toutes orientées sur cette thématique, ça va le monde, c'est-à-dire avec, pour la plupart, un écho avec ce qui se passe actuellement dans notre monde. Ces jeunes auteurs, pour certains, sont édités, pour d'autres, ce sont des textes inédits. Et chaque jour, donc au Jardin de Mons, à 17h30, les gens viennent écouter ces textes d'auteurs étrangers, donc, mais en langue française. S'écroule, s'écroule, s'écrase, s'effondre, s'effondre. Thank you.